La drôle de minute de Labajon sur Rire et Chanson. Et ce matin, pour nous expliquer leur augmentation de tarifs, on reçoit la patronne de Netflix. Bonjour madame. Ah, bonjour Bruno. Maintenant que les gens sont dépendants, on en fait ce qu'on veut. Netflix, c'est juste du crack légal. Vous voulez pas un peu de Lupin? On vient d'en recevoir. Non, ça je peux tenir, mais je croyais que mettre des pubs pouvait faire baisser les prix, non? Oui, ça c'est l'abonnement standard pub, mais oui. On a aussi l'abonnement essentiel, standard sans pub, premium, giga premium, standard essentiel. Allez Bruno, pour 10€ de plus, je te mets deux saisons du jeu de la dame. Non, ça je peux tenir. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre ces abonnements là? J'ai pas compris. Le prix. Plus tu payes, plus tu peux regarder des séries. Mercredi, Casa des Papel, Dahmer. Allez, pourquoi se priver? Vous pouvez avoir tout ça pour seulement 9,99€ la dose. Voir modalités et conditions dans le mail que vous avez perdu. Ça va. Allez. Je peux tenir. Mais je trouve ça dégueulasse quand même de profiter des gens comme ça. C'est pas bien. Je ne suis qu'une dealeuse de divertissement. Vous préférez payer pour une bonne cam ou pour faire une overdose de la petite maison dans la prairie? Vous savez combien on a retrouvé de personnes en syncope devant les feux de l'amour? Oui, j'imagine, oui. Alors, vous pouvez vous faire plaisir. Oui. J'ai du Black Mirror. Vous avez du Black Mirror? Oui. Je vais tenir. Bon, et puis je vous rappelle que vous n'êtes pas les seuls dealers. Oui, mais nous, on a des produits que les autres n'ont pas. Ah bon? Vous n'allez pas me faire croire que vous prenez plus votre pied devant une série Apple que devant Stranger Things. Et si vous me cherchez Bruno, je vous spoil la dernière saison. Non, Stranger Things, vous avez une nouvelle saison? Je peux tenir. Bon, et puis, vous pouvez baisser vos prix. J'ai cru comprendre que maintenant vous allez tout faire par intelligence artificielle, c'est vrai ça? Avec tous les comédiens botoxés, de toute façon, il n'y a plus rien de réel dans le cinéma. Et je ne vois pas la différence entre un humain et un ordinateur qui pompe une histoire dans un bouquin ou dans un fait divers. Ouais. Moi aussi, je peux écrire des scénarios. Tu prends les 50 dernières années de la famille royale, tu mets un peu de musique, 2-3 comédiens ressemblant à The Crown, et hop là, ça fait The Crown. J'en peux plus. Allez, donnez-moi une saison de The Crown, je tiens plus, c'est bon. Et voilà, je le savais. Rassurez-vous, s'il y a bien un truc qu'on remplacera pas par l'intelligence artificielle, c'est nos spectateurs. Oui. Parce que l'intelligence artificielle, elle se rendra compte à un moment qu'on se fout de sa gueule. Oh. Allez, bon zapping. Merci, c'est la prochaine 2 minutes de la Labajon.